Une des premières règles que l'on apprend dans l'investissement est que la meilleure façon de réduire ton risque et la volatilité est de te diversifier. Investir dans plusieurs actifs non corrélés est un puissant moyen de limiter les baisses sans nécessairement compromettre les rendements potentiels. Dans un monde désormais dominé par l'investissement passif via les ETF et les robots advisors rééquilibrant automatiquement ton allocation d'actifs, les investisseurs peuvent se diversifier et s'assurer qu'ils suivent le marché. Sauf qu'il faut faire un choix entre préserver ton capital en suivant le marché et devenir riche. Salut, c'est Sébastien et aujourd'hui je vais te démontrer pourquoi la surdiversification, le rééquilibrage et la recherche du moindre risque empêchent ton capital de s'apprécier efficacement et on va voir quoi faire plutôt pour générer des retours astronomiques. Les investisseurs qui ont peur du risque, y compris certains gestionnaires de portefeuille professionnels, pensent qu'ils prennent trop de risques dès qu'une action atteint 10% de la valeur totale du portefeuille. Pourtant, ces mêmes investisseurs sont prêts à s'endetter sur 25 ans avec un gros apport pour acheter une seule maison qui va peser pour quasiment l'entièreté de leur patrimoine. L'explication est simple. Les acheteurs de maisons peuvent se permettre de faire un investissement concentré parce qu'ils font un gros travail en amont. Ils définissent combien de temps ils vont vivre dedans, étudient le marché, font une évaluation environnementale, visitent le bien, font appel à un expert et évaluent la valeur du bien. Mais alors, quelle différence avec la bourse ? Pourquoi t'aurais peur d'être concentré en bourse et cherche à tout prix la diversification alors que tu n'as aucun problème à ce que la quasi-totalité de ton patrimoine soit concentrée dans un seul bien immobilier ? Si tu sais ce que tu achètes et comprends clairement les opportunités de hausse et les risques de baisse, faire un investissement concentré n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Après tout, si tu veux viser des rendements anormaux, il faut avoir un portefeuille anormal. Et cela peut se faire que si tu investis en bourse, non pas comme un rentier, mais comme un actionnaire qui se sent patron des entreprises qu'il détient. Et pour ça, tu es obligé d'avoir recours à de la concentration sur des investissements individuels de très haute qualité. Ce n'est pas pour rien que Warren Buffett lui-même a déclaré un jour « La diversification préserve la richesse, mais la concentration crée la richesse. » Pour comprendre l'idée derrière la concentration, il faut introduire le concept d'être actif passivement. Pour commencer, laisse-moi clarifier ma position sur les ETF. Je pense que ce sont d'incroyables outils et la solution parfaite pour la grande majorité des investisseurs. Pour ceux qui n'ont ni le temps ni l'envie de rechercher des rendements efficaces, les ETF sont la meilleure façon d'investir. Je les utilise moi-même pour une partie de mon patrimoine que je veux préserver et faire fructifier lentement mais sûrement. Lorsque tu investis dans des ETF directement ou via des robots advisors, tu es passif activement. C'est-à-dire que tu investis dans des outils passifs, mais qui vont être gérés de manière active en faisant du rééquilibrage constant et de l'optimisation fiscale. Être passif activement est une stratégie basée sur un seul objectif, ne pas sous-performer les marchés. Pour ce faire, l'idée est de se surdiversifier avec des centaines voire des milliers d'investissements pour détenir l'intégralité du marché. Il est donc intrinsèquement impossible de générer un excès de performance par rapport au marché, appelé alpha, avec cette stratégie. Ceci étant dit, laisse-moi désormais t'introduire le concept inverse qui est d'être actif passivement. Ce concept est introduit en 1984 par Robert Kirby qui a appelé son portefeuille la boîte de café et qui démontre qu'il est possible de gagner plus d'argent en bourse en étant actif passivement que passif activement. Je te mets dans la description le papier blanc en anglais de cette théorie et que je te recommande vivement de lire car explique le problème de l'investissement passif et pourquoi on pense qu'il bat l'investissement actif à tort. Mais concrètement, être un investisseur actif passif est la version extrême du bon vieux buy and hold. La partie active est lorsque tu sélectionnes tes investissements et la partie passive est dans ton comportement qui est simplement de ne pas vendre le plus longtemps possible, même les positions qui deviennent très grosses. Selon Kirby, cette stratégie génère obligatoirement de la surperformance sur long terme à condition de ne jamais rien vendre et que les actions ont bien été sélectionnées évidemment. Sur une longue période, un portefeuille qui n'est pas rééquilibré va devenir fortement concentré et sera même très étrange de par sa composition avec quelques actions qui ont énormément performé et pesant très lourd dans le portefeuille et beaucoup d'actions qui auront baissé. Si l'investisseur avait constamment rééquilibré ce portefeuille en vendant le surplus pour maintenir une parfaite répartition, les performances auraient été catastrophiques. Pour comprendre pourquoi,
il faut expliquer les problèmes causés par le rééquilibrage. Le rééquilibrage est une pratique courante dans le monde de la bourse et consiste à vendre des actifs qui ont récemment surperformé pour acheter des actifs qui ont récemment sous-performé afin de maintenir une allocation d'actifs et un niveau de risque de portefeuille constant. De manière générale, les investisseurs revendent les actions dynamiques considérées comme désormais surévaluées pour lever des fonds afin d'acheter des actions de sociétés moins dynamiques et considérées comme sous-évaluées. Dans l'optique d'un portefeuille capitalisant et long terme, le rééquilibrage n'a aucun sens. En fait, pour les investisseurs qui ont des décennies devant eux avant tout retrait, le rééquilibrage est une arme de destruction de performance car coupe l'herbe sous le pied des actions les plus performantes. Bref, le rééquilibrage limite les risques mais neutralise également les opportunités susceptibles de générer énormément de richesses. Et là, trois preuves. La première est que l'on sait que les portefeuilles les plus performants en bourse sont ceux des morts. Deuxièmement, c'est exactement la stratégie utilisée par Warren Buffett qui fait en moyenne depuis la création de son fonds Berkshire Hathaway deux fois mieux que le SP500. Quand on regarde le portefeuille de Berkshire, il est assez surprenant. Ses 5 premières positions représentent les 3 quarts du portefeuille composé de 49 actions en tout. Et la plupart des autres dépositions pèsent moins d'1% chacune du portefeuille. Tout simplement parce que Buffett laisse courir sur long terme ses placements et évite le plus possible de vendre et de rééquilibrer. Ce qui performe va devenir de plus en plus gros et ce qui est médiocre va devenir de plus en plus petit. Apple pèse à elle seule près de la moitié de son portefeuille. L'investisseur moyen aurait depuis longtemps vendu une grosse partie pour diminuer son exposition. Et pourtant, Buffett a reconnu que son plus gros regret a été au contraire d'avoir réduit sa position sur Apple. Et enfin, troisième preuve, mes propres investissements. J'ai 2 portefeuilles boursiers que j'ai commencé au même moment et sur lesquels j'investis tous les mois une même somme. À date, la performance de mon portefeuille d'ETF, très diversifié, multi-actif et constamment rééquilibré, affiche un retour négatif de moins 4%. Tandis que mon portefeuille d'actions individuel affiche un retour positif de plus 10%. Ce n'est pas pour rien si mes actions qui ont le plus de plus-value latente sont également celles où j'essaye de continuer d'investir le plus d'argent dessus. Et comme Buffett, je n'ai jamais rééquilibré ce portefeuille et j'ai laissé courir mes actions gagnantes sans jamais récupérer de plus-value. Pour comprendre ce phénomène et pourquoi il faut laisser courir les actions gagnantes, regardons quelques graphiques. Ce graphique présente le retour total de plus de 8000 actions américaines entre 1983 et 2006. On voit par exemple que 61% des actions affichent un retour positif et 25% des actions, soit 1 sur 5, ont été de vraies gagnantes qui ont affiché un retour de plus de 200% sur toute cette période. Mais aussi, 25% des actions ont été de vraies perdantes et 39% ont été perdantes globalement, soit 2 sur 5. Si on regarde le même graphique, mais cette fois seulement sur les actions de l'indice Russell 3000, on se rend compte que la majorité des actions, 64%, sous-performent l'indice. 36% surperforment et seulement 6% des actions ont surperformé l'indice. Imaginons maintenant que ton portefeuille d'actions ressemble à ce graphique, avec un mix d'actions perdantes et d'actions surperformantes. On est d'accord que tes actions les plus précieuses et celles qui tirent la performance de ton portefeuille vers le haut sont celles-ci, la dernière colonne. Si tu fais du rééquilibrage, tu es tout simplement en train de suicider tes performances en te séparant des actions qui ont le plus de chances de surperformer pour allouer les fonds sur des actions inférieures, tout ceci au nom de maintenir une exposition égale partout. Ce qu'on peut donc retenir de ces graphiques est 3 choses. Premièrement, que la surperformance d'un portefeuille donné est due à quelques excellentes actions gagnantes. Deuxièmement, qu'il ne faut pas revendre ces actions gagnantes, mais au contraire réinvestir dessus. Et troisièmement, qu'il faut accepter la réalité que tu auras des actions perdantes à peu près la moitié de ton portefeuille. L'idée est donc simplement de laisser tes actions dessiner la concentration de ton portefeuille sans aucune intervention de ta part. Ce qui est en fait ce que font les capital VC lorsqu'ils investissent dans des startups. Ils sont diversifiés en investissant souvent une même somme sur plusieurs startups, mais leur performance est tirée par quelques startups seulement qui deviennent des licornes. Est-ce qu'ils revendent leur action licorne pour équilibrer les autres startups médiocres ? Absolument pas. Au contraire, ils organisent de nouvelles séries de levées de fonds pour mettre encore plus d'argent sur les licornes. Et qu'est-ce que ça donne ?
une moyenne de 25% de retour sur investissement par an. Voilà la différence entre la mentalité du rentier qui veut à tout prix éviter le risque et la volatilité et l'actionnaire qui se sent patron de l'entreprise dans laquelle il investit. En conclusion, je dirais que le secret d'une stratégie d'investissement qui fonctionne est d'avoir une vision long terme, non seulement pour le portefeuille dans sa globalité, mais aussi pour chaque composante individuelle du portefeuille. Le monde de la finance est extrêmement clair sur le fait qu'il ne faut pas essayer de battre les indices avec du stock picking. Si tu n'as pas de temps et souhaites simplement égaler la performance moyenne que le marché est prêt à t'offrir, alors la diversification via les ETF est une solution parfaite. Pourtant, sur le très long terme, des recherches approfondies et axées sur la qualité peut te conduire à trouver des opportunités d'investissement exceptionnelles. Ça s'applique aux startups, à l'immobilier, à l'art et autres actifs. Alors pourquoi ça serait différent pour les actions? Plein d'experts et de youtubeurs te diront que ce n'est pas possible, mais Warren Buffett et Charlie Munger ne sont pas d'accord et le prouvent chaque année depuis près de 60 ans. Car être actif passivement en laissant tes investissements raconter leur histoire au fil des décennies peut créer des rendements supérieurs à ceux du marché. La question qui reste est-ce que tu auras la patience de leur laisser du temps? Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic. Et si tu veux recevoir une deuxième action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100€, ça se passe sur le courtier Trading 212 en utilisant le code promo dans la description, 212SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut.